Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale. Vous le savez, le mois de mai est chargé d'histoire pour notre pays. Nous y avons commémoré, il y a quelques jours encore, une triste date, les massacres du 8 mai 45, institués journée nationale de la mémoire par le chef de l'État. Ce soir, nous remonterons plus d'un siècle en arrière avant ces massacres barbares commis par l'armée coloniale française. Un massacre ou un siècle où le quotidien des Algériens était rythmé par les génocides et les crimes inhumains commis par le système politique de la France coloniale en Algérie et dont ses traces ainsi que ses conséquences en témoignent encore à ce jour, à l'exemple de ces expériences nucléaires arghènes. Alors les bienfaits de la colonisation, hein, comme souvent parlent certains, c'est aussi ces milliers d'Algériens civils et innocents murés dans des grottes pour être ensuite assassinés sans état d'âme en les enfumant. La France coloniale s'était affranchie des règles les plus élémentaires de la guerre en exterminant des populations entières. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que l'on retrouve dans ce documentaire intitulé « Afin que nul n'oublie », nous entamerons le débat juste après. Nous ne conquérons pas la ville pour en demeurer les maîtres. Nous vous le jurons par notre sang. Soyez unis à nous, soyez dignes de notre protection et vous régnerez, comme autrefois, dans votre pays, maître indépendant de votre sol natal. La promesse du général de Bourmont va être concrétisée par ses successeurs, Clausel, Bugeaud, Saint-Arnaud, Bosquet, Randon et Usuf. Massacres, enfumades, viols, expropriation politique de la terre brûlée, tels ont été les signes de la protection promise aux Algériens par de Bourmont. Quand on me pose la question, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en 1830. Les premiers détachements français qui sont implantés en Algérie ont commencé par la torture. Parce qu'il fallait faire parler les gens et il fallait les terroriser, exactement ce qui se passait encore 125 ans après. Et de la même façon, lorsque il y a eu des révoltes en Algérie, que ce soit la révolte sous Mokrani en 1871 en Kabylie, ou que ce soit ailleurs en 1917 dans l'Aurès, ou chaque fois qu'il y a eu une révolte du peuple algérien, ce sont les mêmes procédés qui ont été employés. Et je renvoie souvent des amis français qui me posent la question. Je dis, mais vous n'avez qu'à lire. Moi, j'en ai cité quelques-unes de ces lettres dans un ouvrage que j'ai écrit sur la guerre d'Algérie. Regardez ce que les officiers français disaient. Quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je coupe des têtes. Pas des têtes d'artichauts, ils plaisantent. Des têtes d'arabes. La torture que le militant anticolonialiste Henri Alleg évoque avec moult détails dans son livre témoignage, La Question, est plus qu'une blessure physique dans la chair de tout un peuple, qu'il soit pris collectivement ou individuellement. C'est un processus institutionnalisé par ceux qui ont foulé le sol algérien, en prétendant civiliser ses habitants à coups de bastonnades, de canonnades et de génocides à grande échelle. Si la patrie des droits de l'homme et de la démocratie a excellé dans son œuvre civilisatrice, le peuple algérien, loin de s'avouer vaincu par le rouleau compresseur colonial, a prouvé par sa capacité de résilience, son génie millénaire qui lui a permis de défier toute épreuve, les résistances populaires de l'émir Abdelkader, Ahmed Bey, Fatma Soumer, Al-Mokrani, de Bouamama, Hamoud Egg el-Mokhtar ont cimenté un sentiment d'appartenance à une nation que le mouvement national de la première moitié du XXe siècle a su catalyser.
Le tournant, un certain 8 mai 45, une répétition générale de la révolution du 1er novembre 1954. انا هذيك لا درنا ثوره صغيره ماشي 100 ياليسس 100 ياليسس تاع 54 ركبت على 54 ركبت عليها 54 ايه من هذاك الوقت كانوا رجال في 45 وحاضرين ومن وراء 45 قراوا وفهموا وتوحدوا وداروا بعضهم وتكونوا ناضوا في 54 في 54 كي ناضوا يسقموها ماشي هذيك كيما احنا C'est démocratie France, démocratie. Où est la démocratie? C'est ce qui fait Hakmou. Hakmou qui est le barque de l'arbre. Ou tout le monde a le gâchis de l'eau. De l'eau, le habs, le chat, le gazarnet. Les colons, hommes les gérés de le gâchis, ils arrivent. فلان 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 ومدوهم لي سيكري في سطيف لا ليست خلونا حتى نحينا حشينا حد نحشينا لهم القرط خدمنا لهم البحاير خدمنا لهم الزرع كي خلصنا خدمتهم جاونا السورطيه من سطيف للدواور دوار الفلاني الدوار الفلاني قال الفلاني الفلاني قال لي هذا فا نايم الغاشي لا ليست فلان 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 مونت فلان 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 مونت فلان في لي كاميو ديريكت للجزارنا لي سيطيف الور سيلان السلك والعسكر عساس وين تبوجي الشر والصيف لاباك لويت ماي وماي جوا جويد قاعدين برا في القلعات الشر والغب والصوت نتاع العسكر Sétif, Guelma, Kharata, 45 000 martyrs assassinés par les colons français avec l'assistance active de l'armée française. Une armée dont le contingent algérien combattait encore les résidus des armées hitlériennes en Allemagne. Les tirailleurs algériens stationnés en Allemagne ignoraient que leurs compatriotes se faisaient massacrer par les dignes successeurs des nazis. Exactly 62 years ago, in May 1945, I was driven up this road coming from Algiers going to Sétif. I came from the coastal road up this valley, up this canyon, and along the way I saw the first sight of the results of the terrible events that were taking place around Sétif, burning villages. Somewhere up this road, on the right-hand side, I remember a little village where the smoke was still rising from the ruins of the houses. It was being guarded by a black French colonial troops, Senegalese, I believe, who were keeping guard over these ruined villages. And from there, I came on up onto the plateau to Sétif. I went into a hotel in the main street of Sétif, and there I met some people who told me some things. And then by chance, I met a British Royal Air Force officer who turned out to be the chief of British intelligence for North Africa. And he'd come from Algiers to find out what had gone on. And he was very upset, he was very angry about what he'd learned. So he said, I will tell you the whole story. I will show you the files of the British intelligence. And so I rode back to Algiers with him. He opened up his files. I sat in his office for 2 hours with my notebook and wrote down details of what had happened at Sétif. And after that, then I went to see the American military liaison mission stationed in Algiers. Earlier, I had tried to get some information from them, and they would tell me nothing. But when I came back, having been given the access to the British intelligence files, I spoke to the Americans and they couldn't
conceal anything any longer. So they open up the American intelligence files, and I copied out the reports of the American intelligence about what had happened. And I remember the American major who was in charge of that office, he said to me, I'll show you the aerial photographs we've taken of what has been done. And he was very angry about it. He said, the French have used our American B-25 bombers to bomb these villages. The terrible thing. Here's the photographs. So I got this kind of inside information from both American and British intelligence. That's how I got the full story. Le génocide commis par la France en Algérie 132 ans durant n'a d'égal que celui perpétré par les nazis en Europe, au lieu et à la place des fours en Pologne. Les colons ont utilisé les cuves pour massacrer les Algériens. السادات المحترمون، هذا الأرض، هذا المزرعة، هذه نتاع كمندر، وهذا الزنفور اللي كانوا يديروا فيه الشراب، هذا اللي حجروا فيه الشراب، كانوا الجزائريين هانوهم الإهانة هنايا، هذا المعمر يجيبهم يدخلوهم في العذاب يعذبوهم، كاين تريسينتي، كاين تعلاق، في المار والكلاب، ومن ثم يدخلوهم هنا، اللي يدوه يقتلوه منا يدوه يقتلوه، يتعذب هنا حتى يكمل البحث نتاعه والعذاب ويدوه، اللي يدوه يقتلوه يدوه يقتلوه. نقولوا عدو عباد الله هذا عدو نبقى تعجبوا من المسمارة من سيدياني من لباسي من عشعشة من مستغالي من سيرات جابوهم هنا عذبوهم دار لهم هالطريقة اللي عنده الشهيد كيفو تهم اللي عندهم الشهود كيتعلقوا هذا العذاب الأكبر واللي ربي زاد له عمره طويلة هيا ويقتلوا ولكن رب العالمين هنا بنعبوا من سمين هنا ماتوا داوا الزنفور وداوا في اللي قتلوا هو ميت مثلا بهذه الطريقه وحنا ربي جدنا في الاجر يركبوا علينا يعمرونا ما ننتفخوا كيما المشي اللي يصفوها ومن بعد يخرجوا لنا ذاك بكرائهم على كروشنا ومن بعد ترجع لنا الروح يقول لك اهدر مكه جد لك زوجه جدك ثلاث ساعات ثلاث خطرات فيها الصباح والعشيه وغدوه العذاب جاي وقت اخر. À la longue nuit coloniale a succédé l'aube de l'indépendance. Une indépendance chèrement acquise, arrachée au prix d'un lourd tribut, plusieurs millions de martyrs de 1830 à 1962. On dit que la mémoire est essentielle dans l'évolution de l'humanité. L'étude de l'histoire est d'abord placée sous le signe d'une lutte contre l'oubli, messieurs. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'Hérodote conçoit ses enquêtes pour qui l'histoire éclaire le présent. Et c'est pour cela que nous retrouvons ce soir pour ce devoir de mémoire avec nos invités. Nous avons avec nous depuis Oran, en duplex, M. Mohamed El Korso. Bonsoir, vous êtes historien. Merci d'être avec nous pour débattre ce soir de ce thème crucial pour notre histoire.
Nous avons également avec nous M. Abdelmadjid Merdassi. Bonsoir, vous êtes historien. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous d'être présent. Et M. Karim Mnasser, professeur d'histoire à la faculté de Blida. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors messieurs, nous allons remonter aujourd'hui un peu dans le passé, un siècle en arrière, un peu plus d'un siècle, en 1830, période des conquêtes pour les empires français et britanniques à l'époque. La colonisation française a été particulière chez nous, selon des historiens, on va en débattre. Ça a commencé très tôt, dès 1832, après le débarquement français en Algérie, une sombre affaire de vol commis par des membres de la tribu des Aoufia provoque une colère terrible du duc d'Alger, le duc de Rovigo, du gouverneur d'Alger qui vient d'être nommé. La conséquence de ce vol sera d'une violence inouïe, une représaille qui n'a pas de démesure totale, monsieur Mnasser. Oui. Bon. Alors, un tel sujet, droit de mémoire, c'est un droit pour le peuple algérien de connaître sa propre histoire et non pas des histoires, c'est-à-dire mettre en évidence les aspects de ces crimes du colonialisme français et pour abréger et pour, c'est-à-dire parler de l'essentiel. Parce que les crimes du colonialisme français, il y en a tellement que tout aspect de ces crimes, c'est un dossier. Voilà. Alors, on va essayer d'être bref et parler de l'essentiel. Commençons par dire que le colonialisme lui-même, c'est un crime. Voilà. Alors, aussi, peut-on aussi se poser la question, comme l'a posé Francis Johnson, lorsqu'il a écrit dans son livre « L'Algérie hors de la loi ». Alors nous avons fait la guerre contre le peuple algérien, dans quel intérêt et au profit de qui? Aussi, il y a ce faux débat d'outre-mer, lorsqu'il parle simplement, entre parenthèses, de crimes de guerre, pour minimiser un peu leurs actes ignobles, au lieu de parler de crimes contre l'humanité. Aussi, les historiens français, beaucoup d'entre eux, lorsqu'il s'agit de Vichy et des massacres nazis commis contre les Français, ils parlent d'un passé qui ne passe pas. Et lorsqu'il s'agit de leur massacre dans les colonies, ils disent « ça c'est un passé qui est passé ». Alors là, je vous reprendrai sur une des déclarations de Paulo Sarès lorsqu'il a fait ses déclarations en 2001. Il disait tout simplement qu'il fallait passer l'éponge. Voilà. Alors qu'ils passent leur éponge, leur propre éponge, la mémoire est là, l'histoire est là, les faits sont là. Et toute pierre dans notre pays témoigne. Alors justement, est-ce que finalement le ton a été donné dès le débarquement en Algérie en 1830, la violence, les barbaries, les crimes? On n'est pas venu pour apporter une civilisation, mais on est venu pour exterminer toute une population. Tout à fait. Juste une première observation dans votre présentation. Vous avez rappelé le massacre de mai 45, notamment la particularité de ce mois pour la mémoire algérienne. On peut y rajouter le massacre du 2 mai 1962, l'attentat à la voiture piégée qui a touché le port d'Alger et laissé plusieurs dizaines de victimes algériennes, de dockers algériens, en ce mois de mai. Deuxième observation, de la nature de la colonisation. La colonisation française est une entreprise totalitaire. Il faut insister sur cela, parce qu'il y a toutes les projections imaginables de violence contre les institutions, contre les terres, contre les personnes, contre les cultures, contre les identités. L'entreprise française, l'entreprise coloniale française est une entreprise tout à fait totalitaire. Pour aller plus précisément dans cette direction, pour rappeler à la mémoire ce qui s'est passé à partir de 1830, comme vous l'indiquiez, il faudrait probablement dire deux, trois choses, parce que
ne pas confondre le peuple français, dans sa diversité, dans sa richesse, avoir en mémoire au moment où nous rappelons nécessairement, et notamment pour nos plus jeunes, les plus jeunes des Algériens, ce qu'a été la colonisation dans notre pays. Il faut toujours avoir en mémoire, comme vous l'avez cité, Francis Janson et les réseaux de soutien, Henri Curiel et les réseaux de soutien, les réseaux Jeunes Résistances, les signataires du manifeste 121, pour dire qu'il y a eu des Français courageux et lucides qui ont appuyé la légitime bataille des Algériens pour leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance. Cela étant marqué, très, très rapidement, la nature totalitaire d'entreprise coloniale se manifeste à l'époque du comte de Bourmont, et la manière dont le commandement de l'expédition française a immédiatement renié les engagements pris avec le Deir Hussein, notamment le respect du culte, le respect des propriétés, et sans compter, sont vus les massacres, notamment à Blida, il y a eu des massacres très importants, très rapidement. Donc, ce qu'il y a d'important, quand on parle des massacres, bien entendu, il y a un certain nombre d'images fortes, puissantes et répressibles qui viennent à la mémoire, notamment 1945. Mais ce qu'il faudrait dire, peut-être, concernant la nature de cette colonisation, ce n'est pas simplement ce qui manifeste, c'est-à-dire les gens, les massacres collectifs, les familles, les personnes, les groupes, les tribus qu'on a assassinés, qu'on a éradiqués. C'est aussi le caractère insidieux quotidien de la violence coloniale. La violence coloniale s'est exprimée de mille et une façons. Juste pour donner un exemple, on a un historiographe constantinois, Mohamed Salah Belantri, qui a sorti un ouvrage de référence pour nous, Al-Maja'at al-Kubra, les grandes famines en 1863, pour dire aussi que l'entreprise coloniale, ça a été une entreprise génocidaire. Génocidaire. Par exemple, pour revenir au débat actuel, au débat d'aujourd'hui, de l'autre côté de la mer, il y a des doctrines qui se répondent et qu'on entend, qu'on voit sur les plateaux de télé, dans les médias français et tout, la doctrine du remplacement. La doctrine du remplacement portée par l'écrivain René Camus, par le polémiste Éric Zemmour en France, consiste à dire qu'il y a un danger d'éradication de l'identité judéo-française et c'est l'islam qui est en train de se répandre subrepticement pour remplacer la population d'origine. En Algérie, le remplacement, ça n'a pas été une doctrine, ça a été une politique. Oui. En Algérie, l'entreprise coloniale, dès le départ, avait un objectif ethnocidaire, éradiquer les populations arabo-berbères musulmanes. Alors vous dites que c'était, avait une politique bien précise. Je vais donner la parole à Monsieur Corso qui est avec nous, je le rappelle, en duplex depuis Oran. Est-ce qu'aujourd'hui tous ces massacres, on va les citer, les enfumettes de Dahra, les centres de détention, les centres de torture, les viols, les essais nucléaires de 1960, aujourd'hui c'est de véritables crimes contre l'humanité qu'on ne reconnaît toujours pas de l'autre côté de la Méditerranée. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tout était planifié, pensé, que c'était institutionnalisé ces tortures-là? Ce n'était pas sous le feu de l'action que ça se réalisait. Monsieur Corso. Merci. D'abord l'histoire c'est des faits, c'est des événements précis. C'est également des prises de position et une politique. Bon, vous avez tout à l'heure commencé par 1832, à juste titre d'ailleurs, avec les Aoufia. Sauf que, peut-être il fallait revenir, c'est notre devoir à nous, à la limite historien, quelques deux années auparavant, c'est ce qu'a fait mon ami Abdelmajid Merdassi quand il a parlé des promesses qui avaient été tenues, qui avaient été faites par Bourmont. La première des choses, c'est que ces promesses ont été foulées aux pieds. Les monuments notamment religieux, avaient été détruits. Les médersas avaient été détruits. Les habitations avaient été détruites pour construire ce qui sera par la suite la ville européenne. La rue d'Islé ou la Charles Abir Mhidi, la Akhiri, bon, voilà. Ensuite est venu de manière mécanique, si vous voulez, cette nécessité d'occuper l'espace, mais l'occuper en éradiquant ceux qui l'occupent.
en éradiquant les habitants d'origine. Hein? Bon. Et puisque vous m'avez invité pour parler des enfumades, ce que j'ai préparé, je dirais que les enfumades, les emmurements, etc., ne relèvent pas du hasard. Les enfumades, les emmurements, en fait, ils font partie de toute une politique militaire. C'était une arme parmi les autres, tout comme la famine qui avait été entretenue. Maintenant, pour parler des emmurements, je dirais que, à notre connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a eu 4. Ce qu'il y a de terrible, c'est d'abord la manière. C'est ensuite le fait d'avoir planifié ça. Et troisièmement, c'est le fait d'avoir immortalisé ça par des écrits glorifiant ce qui a été fait par les uns et les autres. Alors, ce qui a été fait par les Cavignac, Pélissier, Saint-Arnaud, etc. Oui, vous citez là les noms de ceux qui ont commis ces atrocités. Vous parliez des écrits, je vais juste citer celle-ci. Quand vous parliez des enfumades, en revenant de cette funeste expédition, racontait le colonel Pélissier, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances et une d'elles servit, dit-on, un horrible festin. On voit là une violence et la légèreté avec laquelle cet écrit est exprimé. Oui, tout à fait. Et donc, pour continuer, si vous voulez, dans cette démarche qui met en valeur, en fin de compte, le fait militaire lui-même, le fait odieux, c'est que ces emmurements, ces enfumades, ont obéi à des ordres très stricts qui avaient été donnés par Bugeaud. C'est-à-dire qu'il y avait une feuille de route, qui a été suivie à la lettre. Hein, qui avait été suivi à la lettre par Pélissier lors de la deuxième enfumade, quand Pélissier reçoit une lettre qui est datée du 11 juin 1845, dans laquelle il était écrit « Si ces gredins, hein, parlant des Necmeria, c'est le deuxième enfumade, hein, si ces gredins se retrouvent, imitaient Cavaignac ». Hein, fumé à outrance comme les renards. Donc là, nous sommes en fait devant une barbarie, hein. Tactique, une stratégie militaire bien déterminée. Le but étant de faire le maximum de victimes. Le but étant d'éradiquer toute une population. Le but étant de parvenir à un génocide qu'on nous refuse de l'autre côté de la Méditerranée. Ce terme n'est pas retenu, ce terme est rejeté, y compris par moment par certains de nos amis historiens français. Alors malheureusement. On parle de crimes de guerre, comme l'a si bien cité M. Ménassier, mais pas de crimes contre l'humanité. Par la suite, car il y aurait jugement à ce moment-là. Aujourd'hui, finalement, l'objectif de toutes ces razzias, de ces enfumades, comme le disait à l'instant M. Le Corso, était de faire une épuration ethnique. C'était d'exterminer la population, de la remplacer par ce que nous avions dit des tout étrangers. À l'heure, l'entreprise coloniale française, il faut le rappeler avec force, parce que nous avons beaucoup de jeunes Algériens qui se font encore des illusions sur ce qu'est la France, la société française, la civilisation, les libertés et tout. L'enjeu est absolument important, ce n'est pas un enjeu simplement de mémoire, c'est un enjeu politique d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire le procès de l'État colonial. Il faut dire aux Algériens, et il faut le rappeler aussi à nos amis français, que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'État plus criminel que l'État français, sur toutes les formes de criminalité. Bon, les exécutions massives, les exécutions collectives, les atteintes à l'intégrité de la personne. Bon, mais on peut, juste par exemple, ça aussi, ça rentre dans la logique d'extermination. Par exemple, l'institution des camps pour indigènes, on n'en parle pas. L'institution des camps. Le code de l'indigène, oui, également. La mise en place dès 1875 de ce qui va être par la suite le code de l'indigène, au départ, affecté à la région d'Alger, ensuite élargi à toute l'Alger. Est-ce qu'on ne peut imaginer la charge d'humiliation, de répression
personnelles, sans compter les atteintes aux valeurs de la société algérienne. Bon, la destruction des envois, la destruction des écoles. Oui. Rappelez toujours, l'entreprise, bon, M. Al-Khorsou le rappelait, oui. Il y a une démarche ethnocidaire. La colonisation française avait vocation à éradiquer les populations dites indigènes, les populations autochtones, c'est-à-dire arabes, berbères et musulmans. C'est, il faut toujours le rappeler parce que ce n'est pas simplement un enjeu de mémoire, c'est un enjeu politique d'aujourd'hui. Oui, comme on le disait, l'histoire éclaire le présent. Aujourd'hui, on parlait d'humiliation, de violence de toutes sortes. Hein. Il n'y a pas eu de moyen qui a été laissé de côté. On parle de cette humiliation, de ce code de l'indigène. Finalement, l'Algérien n'était jamais considéré comme un citoyen. Il y avait cette volonté de le déraciner, de l'acculturer en lui affublant des noms selon sur les animaux, selon l'apparence, sur l'handicap. Il y a eu une réelle volonté de détruire la culture algérienne de l'époque, M. Mnasser. D'accord. Je voudrais, si vous voulez, éviter la politique de l'arbre qui cache la forêt. Alors, ces crimes sont planifiés ou non? Alors, mettons-nous d'accord que le fait de décider de coloniser un pays, ça vient d'officiel quand même, que ce soit militaire et politique. Alors, tout ce qui va venir après, c'est officiel, c'est-à-dire en lieu des responsables du pays qui va coloniser un autre pays. Alors, si vous voulez, je vais faire un petit récapitulatif, c'est-à-dire sur ces aspects, afin d'éclaircir nos téléspectateurs. Alors, commençons par de dire, c'est-à-dire avant la colonisation elle-même, la France a diffusé, avant la conquête, une mauvaise réputation de l'Algérie. Elle parlait de piraterie, je ne sais pas quoi. Alors, pardon, juste le blocus du port d'Alger de 1827 à 1830. Je vais faire allusion à ça. Alors, on a mis une telle propagande contre l'Algérie, contre un pays souverain. Alors ça, c'est un crime à l'échelle internationale. Encore, l'embargo maritime 1827-1830, c'est dans quel esprit? C'est un esprit criminel. C'est-à-dire, on a une vision d'affamer un peuple. Vous voyez? Alors, dès la bataille de Sidi Ferhus, c'est-à-dire le juin 1830, il y a eu quelques prisonniers algériens. Alors, dès qu'il y a eu des prisonniers, ils sont malmenés, ils sont tués. C'est-à-dire, aucune loi ne respecte ces officiels, ni de loi de guerre, ni de loi d'humanité. Non-respect du traité, là, il a fait allusion, le reportage, et aussi Al-Khorsou, non-respect du traité de capitulation d'Alger. Alors là, c'est le fait de donner le feu vert à l'armée pour des actes de banditisme, pour dire de vandalisme. De pillage. Faites ce que vous voulez, vous tuez, vous faites des viols, vous faites de... Voilà. Et cet esprit n'est pas instantané quand même. Ce n'est pas lorsqu'ils sont venus chez nous qu'ils ont commencé à faire... Ils avaient cet esprit... C'était planifié. Avant... Voilà. Alors il faut comprendre ça. Aussi, lorsqu'on parle de la politique de la terre brûlée, alors cette politique entre dans le contexte, c'est-à-dire comment les Français voient les Algériens. On les appelait les indigènes. Même, vous avez cité le code de l'indigène. Alors les indigènes, lorsqu'on prend un dictionnaire, c'est les autochtones. Mais le dictionnaire français ne c'est pas le sens d'autochtones. Les indigènes dans le dictionnaire français, ces gens-là, ce n'est pas des êtres humains. Oui. Vous pouvez en faire d'eux ce que vous voulez. Pardon, juste une observation, je reviens à ce que dit notre ami en ouverture. Elle rappelait le massacre de 1945. Oui. Moi, j'ai consulté les médias européens du département de Constantine, oui. Y compris devant la mort. Oui. Il n'y avait pas d'égalité. Oui. Quand il y avait
Il y avait 103 morts pendant l'affaire du Sétif de 45. On avait le nom, le prénom, l'âge, la situation sociale et tout et tout. Et les dizaines de milliers d'Algériens n'ont même pas eu le droit à une sépulture, ni rien. Même devant la mort, madame, la violence, c'est ça. Même devant la mort, il y avait une inégalité entre les Algériens et les Européens. Oui. Voilà. Même le mort n'était pas respecté. Alors, revenons à la Mais là, c'est bafouer toutes les lois de la guerre. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. La terre brûlée entre dans le... C'est-à-dire, pour minimiser leurs actes, c'est-à-dire ignobles, on utilisait un mot pacification. Oui. On a pacifié telle ou telle zone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pacification, toujours dans le dictionnaire de ces criminels? Ça me revient, les Romains parlaient de Pax Romana. C'est-à-dire, lorsqu'ils exterminaient les gens, ils disent, ça y est, la paix, elle est généralisée dans telle ou telle zone. C'est le même contexte qu'on voit dans le colonialisme français. Alors, pacification, c'est-à-dire génocide. Extermination. On a exterminé. Voilà. Ça, c'est la terre brûlée. La terre brûlée de 1830 jusqu'en 1962. Voilà. Alors, les razzias, les enfumades, les massacres civils. Les camps de concentration, les camps de torture. Donc, Sartera Sétif, qui avait fait aussi. Sartera Sétif, oui. Voilà. Où il y avait 3 000 prisonniers. Voilà, l'oasis de Zahatcha, l'Ibn Menasser dans Mitidja, etc. Alors, il y a aussi, dans les aspects criminels, il y a spoliation de la personnalité algérienne. Oui. Tout à fait. Alors, ça va dans ce contexte criminel. D'éradiquer ce peuple. Et non seulement, c'est-à-dire, même son histoire, sa langue, sa religion. Il a fait allusion, notre professeur El Corso, c'est-à-dire, détruit les symboles sacrés du peuple algérien. Par exemple, les mosquées sont devenues des casernes, etc. Alors, il y a spoliation de la personnalité algérienne. Aussi, dans ces aspects, parlons-en aussi du trésor d'Alger, de l'État d'Alger. Nous y viendrons. Nous allons continuer avec tout ce qu'a dû subir l'Algérie durant la période coloniale au début du 19e siècle. Monsieur le Corso, je reviens à vous. Aujourd'hui, on est en train de citer aujourd'hui ces crimes contre l'humanité qu'on se refuse aujourd'hui de définir comme tels pour ne échapper un peu au jugement. Il y a eu aussi même la loi de l'amnistie en France qui épargne tous ces officiers qui ont commis tous ces massacres ici, comme Paulo Sarès, qui n'a pas été du tout inquiété parce qu'il savait qu'il allait être protégé par cette loi, malgré toutes ces déclarations et le fait qu'il ait reconnu qu'il y ait eu des tortures et qu'il ait participé à ces tortures. Pourquoi aujourd'hui, je dirais pas pourquoi, mais est-ce que finalement cette histoire avec le colonialisme chez nous est particulière à l'Algérie? Est-ce qu'il y a une particularité avec notre histoire? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de recentrer un petit peu quelques éléments. S'il y a eu des colonialistes, des colonisateurs féroces en Algérie, il faut rappeler qu'il y a eu également des Français qui ont condamné ces crimes. Aussi bien les enfumades, que par la suite, les crimes qui ont été commis pendant la guerre de libération nationale. Pour parler des enfumades, je citerai un seul nom, et c'est celui du comte, excusez-moi, je consulte mes mémoires, du comte de la Moscova, qui avait condamné, en fin de compte, des crimes qui ont été commis suite aux emmurements et aux enfumades. Le Parlement français, à l'époque, avait exprimé son mécontentement et le maréchal Soult, qui était président du Conseil de l'époque, avait été sommé soit de dénoncer, soit de condamner.
Or, que s'est-il passé? Il s'est passé que Pélissier avait été blanchi. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, Bugeaud, l'homme fort de l'époque, avait menacé de démissionner. Hein? Bon, plus que ça, par la suite, les journalistes et l'opinion publique, mais surtout les journalistes, avaient été traités de porcs, avaient été traités de cochons. Bon, ça c'est un premier élément qu'il faut verser dans le dossier. Le deuxième élément qui nous concerne à nous maintenant algériens, c'est que la destruction des villes, des villages, des douars, des mchta avait un objectif bien déterminé, hein, c'est la dépopulation de la région, c'est éradiquer la région de ses habitants, et je citerai, si vous le permettez, si vous avez le temps, quelques données chiffrées. Quelques données chiffrées qui sont les suivantes. À la veille de la colonisation, les Algériens étaient au nombre de 3 millions d'habitants. Entre 1800 en 42 ans, ils vont passer à moins de à un petit peu plus de 2 millions, avec des déchets, ce qu'ils appellent eux des déchets, des pertes, hein, de 200 000. Soit ils sont passés à 874 946 habitants, bon, qui ont été passés au rasoir, j'allais dire, hein, qui ont été assassinés, qui ont été tués. Le but, c'était quoi? C'est en fin de compte l'extermination. Hein? Et pour citer encore une fois Saint Arnaud, il dit « voilà la guerre d'Afrique ». On se fanatise à son tour et cela dégénère en une guerre d'extermination. L'extermination est devenue un moyen, une technique, une arme en fin de compte pour faire de la place aux colons, pour également mettre fin à cette résistance. Sauf que cette résistance ne s'est pas arrêtée. Cette résistance a continué, cette résistance avait du souffle, elle avait de l'énergie, et c'est comme ça qu'en fin de compte, l'Algérie a tenu. C'est comme ça que les Algériens ont tenu tête, en fin de compte, à ces militaires. Mais en même temps, il fallait recommencer tous les trois ans. C'est ce qu'avait dit Cavaignac dans un autre rapport qu'il avait adressé en disant « obligé de recommencer ». Tous les trois ans, on est obligé de recommencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la violence destructrice, il y avait de l'autre côté une violence de résistance. Nous sommes là, malgré vos lois, malgré la destruction massive, nous sommes là, c'est ce territoire que nous allons défendre. Et là, je me permets de soulever une question qui revient assez souvent, c'est le djihad. La notion de djihad a été utilisée pendant la guerre de libération nationale par la presse colonialiste. Excusez-moi. Je vous laisse terminer, M. le Rousseau. Je reviens à vous, M. Merdassi, justement. Est-ce que cette violence était particulière à notre histoire ou pas? On vous le disait, le colonialisme en soi est un crime. D'abord, pour rappeler, pour rebondir sur ce que vient de dire notre collègue, de la réalité ethnocidaire de la colonisation. Il y a une grande figure politique intellectuelle française qui était l'un des défenseurs du projet colonial français, c'est Tocqueville. Tocqueville se déplace, après l'occupation d'Alger, se déplace en Algérie et observe le résultat de l'expédition militaire. Et c'est lui qui dit son effroi par rapport à ce que l'armée française a réalisé. Il a fini par reconnaître que c'était des crimes. Pour revenir sur la nature criminelle de l'État français, l'État français a massacré en Algérie. On va y revenir et on en parle. L'État français a massacré au Sénégal, exactement en décembre 1944, l'armée française a massacré des tirailleurs sénégalais qui étaient en attente de leur solde. Bon, l'armée française a massacré au Sénégal. L'armée française a massacré en mars 1960 au Cameroun. Une grande partie, on donne des chiffres à peu près, autour de 100 000 personnes, 100 000 civils, massacrés par la gendarmerie française dans l'ouest du Cameroun. L'armée française, comme chacun le sait, a massacré à Madagascar. Le chiffre admis est de 100 000 victimes. Et d'ailleurs, Jacques Chirac, président de la République française, a reconnu publiquement le massacre de Madagascar, mais gardé le silence sur les massacres algériens. Parmi les massacres de masse, dire, au sens militaire du terme, vous avez cité mai 45, madame, il faut rappeler à nos téléspectateurs, août 55, après l'offensive du 20 août 55, conduite par Sidi Ahmed Zirouli Youssef,
dans le nord constantinois, il y a eu une répression féroce. Le chiffre des victimes établi à l'époque par enquête du Front de Libération Nationale a établi la masse des victimes à 12 000 personnes et ensuite ça a été réévalué à 14 000 victimes de la répression d'août 1955. Ces chiffres n'ont été contestés par personne, ni par les autorités françaises, ni par leurs porte-parole accrédités, ni encore moins par les historiens. Voilà ce que c'est. Alors, c'est 1945 qui a touché trois villes, trois grandes villes, Guelma, Tarata. Faire toujours cette distinction entre une politique d'État, comme nous le rappelait tout à l'heure notre ami, la politique d'État, c'est une politique délibérée. Mohamed Al-Khorsoui a donné quelques chiffres. C'est aussi ça la réalité. La chute démographique de la population algérienne est un élément des massacres. Mais en même temps, il faut compléter l'analyse et rappeler la théorie du remplacement. La France coloniale a importé des populations européennes. Et le comble de l'histoire, c'est que jusqu'aux accords d'Évian, ces Français qui ont été francisés en 1889, étaient encore identifiés dans le langage français officiel comme étant des Européens d'Algérie. Dans les accords d'Évian, on parle de la communauté européenne, pour dire que c'était un peu aussi des Français un peu à part. Ça rentrait dans le cadre de l'éradication des populations d'origine de notre pays et le remplacement, effectivement. Ça donne la singularité de la colonisation française. L'histoire de l'Algérie qui reste à part, comme vous dites. Quand on parle de la colonisation française, on dit que c'est une colonie de peuplement. Effectivement, l'État colonial français a essayé de peupler la société algérienne avec un apport migratoire européens, notamment les Maltais, les Italiens, les Espagnols. Ensuite, il y a eu les Français de la marge, les soldats défaits de la guerre de 1870. Vous le disiez, M. Moldassi, la France qui a reconnu d'autres crimes, mais qui a complètement passé sous silence ceux qui ont été perpétrés en Algérie. La France occulte délibérément ces crimes en Algérie et ailleurs, mais notamment ces crimes en Algérie. Le paradoxe de la situation, c'est que nous sommes en 2020, nous avons un État jeune, nous avons des difficultés, nous travaillons, il y a des élites algériennes, il y a le peuple algérien, il y a la jeunesse algérienne qui se mobilise, qui se pose des questions sur son avenir. C'est cet État-là criminel qui veut nous donner encore des leçons en 2020 sur les libertés, sur les respects des droits de l'homme, de l'intégrité. La nature profonde de la politique française, c'est le mépris des droits de l'homme, c'est le mépris de l'intégrité physique. On l'a vu, on l'a vécu en Algérie jusqu'à tout récemment. Et c'est encore visible dans les banlieues aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il y a une théorie qui veut que les banlieues risquent de se soulever contre l'ordre républicain français. La guerre de l'Algérie, comme l'appelaient les Français à l'époque, cette guerre-là n'est pas terminée, elle continue sous d'autres formes. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler aux criminels ces crimes. Merci Monsieur Moldassi. Alors on va remonter un petit peu, on est resté dans le début du 19e siècle, on va remonter, les violences ne se sont pas estompées pour autant à la guerre de libération nationale. On va peut-être parler de ces essais nucléaires en 1960 ou des crimes atroces qu'on ressent toujours aujourd'hui, que les populations en tout cas vivent toujours aujourd'hui, où on découvre des maladies, des cancers, des malformations chez les nouveau-nés. Et pourtant, avec tout cela et avec toutes les années qui sont écoulées depuis, la France n'a toujours pas livré les cartes, n'a toujours pas livré les données, même sur les mines, où heureusement pour nous, l'Algérie a réussi à déminer près de 8 millions de mines depuis l'indépendance. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté qui s'affiche pour ne pas passer l'éponge, hein, mais pour reconnaître tous ces crimes. – D'accord. Alors, reconnaître ces crimes de la part de la France, c'est que elle va dans le sens, elle vit dans un contexte, cet État français, la peur de l'histoire, la peur de la mémoire. Et ça ne la glorifie en aucun sens. Au contraire, en reconnaissant ses crimes, elle peut aller au-delà. On peut effacer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'haine. Et en ce qui nous concerne, cela va de soi, on va jamais oublier ces crimes, même si on les oublie. La nature elle-même en Algérie, elle va nous remémoriser, elle va nous citer ces crimes. Alors, pour parler des essais nucléaires, l'un des aspects de ces crimes,
Et ça va de, c'est-à-dire de cette planification criminelle dont on a parlé tout à l'heure. Oui, où des prisonniers même ont été utilisés comme c'est des cobayes, 150 prisonniers. C'est pas des décisions personnelles quand même. Alors, ça rentre dans le sens de la guerre elle-même. Lorsque la France s'est retrouvée devant le déclenchement de la révolution algérienne, elle parta d'un esprit de guerre, un esprit de guerre acharné. C'est-à-dire pas de négociation, pas de... Elle voyait par les armes qu'elle va mettre fin à cette révolution. C'était son seul langage. Alors ça se voit dans l'augmentation systématique des troupes. Presque 1 million à la fin de la guerre. 30 000 quelques... au début, on est arrivé à 1 million. C'est-à-dire, elle a mis tout le paquet. Voilà. Elle a créé des camps de concentration. Ces camps de concentration, presque 2 millions d'Algériens ont, entre guillemets, séjourné. Des zones interdites. Les SAS, le secteur administratif spécialisé, la guerre psychologique. Alors les fameux, entre parenthèses, ratissages. Ça nous revient l'idée de la terre brûlée. Hein, qu'ils ont pris de leurs aïeuls, Bugeaud et ainsi de suite. Le centre de quadrillage de la Kabylie, par exemple. Alors, tout ça, c'est dans l'esprit d'une guerre acharnée. Alors, la bataille d'Alger, par exemple, pour donner un certain, je ne sais pas quoi, une gloire, ou bien, c'est-à-dire, comment dire... Justifié. Voilà. Bataille d'Alger, comme si vraiment c'était une bataille. Elle fait, c'est pas ça, à qui? En civil, aux gens de la Casbah. Il y a eu presque 30 000 personnes arrêtées, presque 8 000 disparues. Si on vient aux chiffres donnés par Tengen, on parle de 3 000. Bon, on parle d'opération crevette. Oui. Avec Bizarre. Oui. Il faut l'expliquer peut-être. Il faudrait peut-être les expliquer pour nos téléspectateurs. Voilà. C'était quand on en cimentait. Les opérations, oui, ce que dit notre ami. On cimentait les jeunes prisonniers, on les jetait par les hélicoptères. On mettait du ciment dans la Méditerranée. Et on les jetait par hélicoptère à la mer. Et comme la crevette vit uniquement au fond des mers, alors c'était une opération crevette, afin qu'ils ne puissent pas revenir à la surface. Bon, ça, c'est un des aspects. Et entre parenthèses, j'aimerais bien dire ceci. Mm-hmm. Il y a des gens qui disent bizarre, quand même, c'était un colonel ou un général, c'est-à-dire pas comme les autres. Il aimait Ben Mehdi. Il en a fait de lui son ami. Même lui, il a écrit dans ses livres. Oui, oui. Ben Mehdi, c'est mon ami. Alors là, si on va dans ce contexte, c'est-à-dire on est vraiment des dupes. C'est-à-dire, ils torturent, ils tuent, ils massacrent, et après, dans leur mémoire et tout ça, ils écrivent tel ou tel Moudjahed ou, je ne sais pas, Ben Mehdi, ou ça, c'était mon ami. Alors là, il faut faire très, très attention. C'est-à-dire... Pour minimiser, peut-être. Ils ont massacré nos ancêtres. Leurs actions. Il ne faut pas qu'ils nous massacrent aussi par des dupes pareils. Oui. D'accord. Alors, il y a les lignes électrifiées quand même, 30 000 volts. Oui. Hein, pour faire sauter les Algériens. Mmh. 30 000 volts, vous entendez l'électricité. Les lignes Chalet-Maurice. Oui. D'accord. Alors, ils étaient figés de mines. Alors, ces mines, 7 à 9 mines par mètre carré. Hein, 50 000 mines par 20 000, par 20 km carré, pardon. C'était 11 mines par personne, je pense, ce et que j'ai trouvé comme. Et chaque mine explosée, elle est vite remplacée. Oui. Et qui fait des victimes jusqu'à maintenant. Donc, ça a été déminé, oui. Si on parle du 17 octobre, par exemple, 17 octobre 1961, oui. Les immigrés, mm-hmm. On parle aussi de bataille de Paris. Jean-Luc Inidi,
qui a fait des révélations, et c'est un éminent historien, et qui a des vérités sur ce qui s'est passé en France. Il a écrit La bataille de Paris et Octobre à Paris et d'autres livres. Oui, oui. Alors, quelle bataille vraiment? Est-ce que c'était vraiment une bataille? Bataille contre des immigrés qui sont sortis bien costumés, bien cravatés, parce que c'est des manifestations pacifiques. On entendait des ordres. Même pas un couteau, même pas un coupe-ongle. Et on parle de bataille. C'est réprimé. Alors, bataille d'Alger, bataille de... Alors, il faut faire attention à ces titres qui sont... Trompeurs. Voilà, trompeurs, voilà. Oui, oui, monsieur Maldressi. Piratage, piratage aérien, le 22 octobre, les cinq Algériens dirigeants. C'est planifié quand même. Et c'est un crime aussi. Alors on retrouve aujourd'hui beaucoup d'écrits. Il y a même certains officiers qui étaient présents hein, durant les tortures, et qui ont reconnu et qui ont dénoncé ces atrocités. Je citerai peut-être Henri Pouillot qui avait parlé d'Avila Fusini. Il y a eu des centres de torture. Notre ami rappelait, il y a eu le centre de tri, il y a eu le centre d'internement. Juste pour rappel, il faut rappeler à nos amis, ceux qui nous regardent ce soir, que les centres d'internement n'ont pas accompagné la guerre d'indépendance nationale. Ils existaient pratiquement depuis le début de la colonisation, hors de toute norme juridique française. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre les Algériens, les foutre dans des camps, sans explication, sans démarche judiciaire. Carte blanche, ouais. Carte blanche. Ouais. Bon, et donc il y a eu des institutions d'emprisonnement hors de toute norme juridique. Là, tout à l'heure, vous aviez évoqué la loi d'amnistie. Mmh. C'est important d'en parler, ouais. ces officiers criminels. Effectivement, ils sont protégés par la loi française. Très rapidement, le gouvernement français a fait voter une loi d'amnistie. Spécifique aux Algériens, à ceux qui ont combattu en Algérie. On s'est dit, parce que c'était un peu dans la convention des accords d'Évian, qu'on allait... Mais il se trouve que la loi d'amnistie française, elle est devenue obsolète. Parce que les lobbies des anciens combattants, des militaires qui ont combattu les Algériens, mais qui étaient hors cadre juridique français, hors du droit positif français, il y a eu un lobbying puissant, pour amener les pouvoirs publics français à leur reconnaître leur statut d'anciens combattants. Et ça s'est fait au début des années 2000, à partir du moment où le pouvoir public français, la loi française, ne reconnaît le statut de combattants, des combattants sans ceux qui ont fait de la guerre. Donc la loi d'amnistie, de fait, techniquement, devient obsolète. Bon, mais n'empêche que la France, maintient cette image, pays des droits de l'homme. On peut démultiplier les exemples. On peut parler, par exemple, les viols des Algériens. On peut parler des viols de l'identité algérienne. Bon, parce que c'est important. On prend, par exemple, moi, personnellement, j'étais petit gamin à Constantine. Bon, j'arrive, par le miracle, dans une petite minorité privilégiée, au lycée d'Omal, qui était le grand lycée. Mais dans notre lycée, la langue arabe était une langue étrangère. On n'enseignait pas la langue arabe. Dans le meilleur des cas, on enseignait le dialecte. Est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez quoi qu'on puisse penser, la langue arabe qui est la langue de l'essentiel des Algériens, de celle de leur religion, sur leur pratique quotidienne, de celle de leur poésie, de celle de leur musique, interdite dans son propre pays. Monsieur le Corso, vous qui nous suivez depuis Oran, vous êtes, j'imagine, d'accord avec cette volonté affichée par le colonialisme français. En fait, je ne sais pas de quoi je vais parler, parce qu'il a été question d'un certain nombre de sujets. Il a été question des expériences nucléaires, il a été question de la reconnaissance par la France ou pas, il a été question d'un certain nombre de sujets, là, dernièrement. Et donc là, vous me posez la question, quelle est la question s'il vous plaît? Je vous disais, sur cette volonté affichée par la France coloniale de l'époque de détruire l'identité algérienne. La destruction de l'identité algérienne a été un fait permanent. Elle a traversé toute l'histoire coloniale de 1830 à 1962. Ça a commencé par les personnes elles-mêmes, les sites, les bombardements par les B-25, les bombardements par la suite pendant la guerre de libération nationale par le napalm. On a détruit des régions entières, la faune et la flore, bien évidemment. Il y a eu, comme le disait un théoricien, la disparition irréversible de tout un monde qui ne peut plus revenir. Nos deux chats ont été
ont disparu. Le mode de vie a changé, on ne peut plus le retrouver. Hein. Un certain nombre, toute une culture a disparu. Hein. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous avons une culture comme ça, il y en a Khalid. Khalid bin Hada Wadek. Bon. Les expériences nucléaires, puisque vous avez parlé d'expériences nucléaires tout à l'heure, il faut les voir, il faut voir les expériences nucléaires comme, comme une arme permanente. Oui. Les mines antipersonnelles ont continué à tuer les Algériens, ont remplacé l'armée française qui n'était pas sur le sol. 50 ans après l'indépendance encore. Hein? Les expériences nucléaires continuent leur œuvre néfaste jusqu'à présent. Hein? Il faut le souligner. Et quand il y a eu la loi Morin, le ministre des Armées à l'époque, c'était une loi, encore une loi discriminatoire. Il y avait un certain nombre de maladies qui avaient été inventoriées par le ministère des Armées françaises et on a également demander aux Algériens qui ont subi, en fin de compte, ces irradiations, de prouver qu'ils étaient sur place. Alors que, bon, c'est des gens de la région. Hein. Sur les milliers de dossiers qui ont été retenus, il y a à peine moins d'une dizaine qui ont été reconnus, qui ont été retenus. Je ne sais pas s'ils ont été reconnus ou pas, mais ils ont été retenus. Maître Bambraham aurait pu en parler parce qu'elle a fait partie, elle a traité ces dossiers-là. Donc, nous sommes également devant cette recherche de nous-mêmes. Elle continue cette recherche de nous-mêmes. Hein. Pour parler de manière très claire et franche, nous avons perdu les repères identitaires. Nous sommes en train de les reconstituer. Nous sommes en train de les reconstituer. Il est important aujourd'hui, Monsieur le Cochot, de rétablir les vérités. Pardon? Il est important aujourd'hui de faire ce devoir de mémoire. Le devoir de mémoire nous impose d'abord d'imposer la reconnaissance. Mm-hmm. Ceux de 54 avaient dit quelque chose de fondamental. Ils avaient dit que la liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. La reconnaissance également ne se donne pas, mais elle s'arrache. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de cela, on a mis dans les placards, dans les tiroirs, si vous voulez, le projet de loi qui avait été proposé par des amis parlementaires à l'époque, criminalisant le fait colonial. Voilà. Voilà, en fin de compte, le problème fondamental. On a finalement rappelé les bienfaits de la colonisation. Le problème fondamental, c'est que la reconnaissance ne s'octroie pas, elle s'arrache. Merci, Monsieur le Corso. Imposer aujourd'hui la reconnaissance, comme le disait Monsieur le Corso, oui, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Bien entendu. J'aimerais dire la chose suivante. La première reconnaissance qu'il faudra établir, c'est la reconnaissance de ces crimes en Algérie par les Algériens, par la recherche historique algérienne, par les œuvres d'esprit algérien. Avant d'aller dire aux Français, reconnaissez vos crimes, vous êtes un État criminel. Là, nous n'avons pas identifié, je reviens par exemple sur le terrain que vous avez évoqué en ouverture, 45, est-ce que nous avons listé nos victimes? Oui. 1955, est-ce que nous avons listé nos victimes? 45 morts, je peux en rajouter. Donc le premier devoir de mémoire, c'est ça devrait être un devoir de mémoire nationale. Nous, Algériens, nous devons faire ce travail pour faire en sorte que l'ensemble des citoyens algériens, quel que soit leur âge, leur origine, leur conviction, leur posture, leur territoire, reconnaissent cette histoire et reconnaissent l'identité criminelle d'État français. Mais M. Meldès, il faudrait avoir recours aux archives. Il faudrait avoir accès aux archives. Justement, j'y arrive. Comment voulez-vous que nous puissions aboutir à cette reconnaissance nationale des crimes de la colonisation si les archives algériennes sont toujours sous les scellés? Systématiquement, dès que j'ai la possibilité de prendre la parole, je m'adresse au pouvoir public algérien. Aujourd'hui, c'est lancinant parce que notre pays est toujours l'objet, toujours la cible d'attaques malveillantes. Nous savons d'où ça vient. Il faut libérer les archives algériennes. Il faut donner les moyens à la recherche historique d'aller, de faire son travail, d'informer de manière rigoureuse, méthodique, scientifique. Ce n'est pas pour régler des comptes. Non, il s'agit d'un devoir. Rétablir les faits historiques. Vous savez, madame, l'enjeu fondamental de la connaissance de notre histoire, c'est l'établissement, c'est le renforcement du lien national. J'aime toujours à penser que les élites qui ont lancé l'insurrection
en 1954, avec cet état d'esprit, il faut le réactiver, le renouveler. La guerre continue avec d'autres moyens. La Merci. Connaissance est un instrument de la guerre. Merci, M. Moldessi. On terminera avec vous, M. Mnasso, cette émission. Je le disais au tout début de l'émission, l'histoire éclaire le présent. Il y en est plus que question aujourd'hui, comme le disaient M. Rosso et M. Moldessi, qui a insisté sur cette nécessité d'arracher la reconnaissance et de rétablir les faits historiques également. Tout à fait. Alors, arracher la reconnaissance, on est d'accord. Mais l'arracher aussi par nous-mêmes, c'est-à-dire il faut qu'on reconnaisse. Il y a des trous là concernant notre histoire. Il y a des efforts, il y a des écrits, mais avec l'ampleur de notre histoire, l'ampleur de toute cette énormité historique que possède l'Algérie, commençons par bien aménager notre maison. Alors, il faut rétablir le puzzle. Il faut ramener les pièces. Et commençons par sauvegarder notre patrimoine. C'est-à-dire, il y a des livres, par exemple, il y a beaucoup de choses, patrimoine archéologique, oui. archéologique, historique, ouais, tout ça. Et vous avez fait mention sur les archives. C'est-à-dire, oui. Pour savoir notre histoire, il faut aller aux archives d'Aix-en-Provence, etc. Bon, certes, les archives, c'est des documents. Mais ces documents sont écrits par qui ? Donc vous dites vous dites aujourd'hui qu'il est important que nous, en tant qu'Algériens, d'écrire notre histoire. Ah, c'est obligatoire. Ça, comme les combattants de 54. Ils ont dit ça, c'est un devoir de se sacrifier pour le pays, et ça, c'est un autre devoir de se sacrifier. De reconnaître leur sacrifice. Voilà. Merci, M. Mnasser, merci, M. Merdessi, M. Rkolso, merci pour votre participation, merci à vous trois de nous avoir éclairés, d'avoir fait ce bond en arrière dans notre histoire. J'espère que cela aura été bénéfique pour nos téléspectateurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt. Merci à vous et merci à Canal. Merci, M. Merdessi.